Ce programme aujourd'hui, puisque nous allons vous parler de la nature, des racines, des origines de l'antisémitisme. J'ai le plaisir de recevoir le rabbin Raphaël Sazin, nouvellement rabbin parisien également. Quelle est l'origine, selon les maîtres du judaïsme, quelle peut être l'origine de l'antisémitisme Il y a un texte extraordinaire qui dit que l'antisémitisme est né au Mont Sinaï, parce que le mot Sinaï en hébreu veut aussi dire la haine. Donc c'est absolument invraisemblable. Le, le lieu le plus sacré du monde, là où a été donnée la loi d'amour, est appelé le monde de la haine. Et les rabbins disent oui. Ça parce qu'à partir du moment où le peuple juif a reçu la Torah, est née la haine dans le monde et l'antisémitisme. Tout à fait. Ben, C'est une introduction très importante puisqu'elle corrobore complètement notre propos, le propos du maral de Prague dans Ner mitzvah qui a pensé l'antisémitisme en termes métaphysiques, au-delà des clichés de jalousie ou même de notions sociologiques ou historiques qui sont peut-être vraies, mais il a essayé de dépasser toute cette façon, cette approche classique, pour essayer de dénicher la racine métaphysique spirituelle de l'antisémitisme. Et il pose comme axiome connu dans la Torah... Que le monde d'ici-bas a été créé avec une lettre. Dieu a utilisé une des lettres pour créer le monde. Le monde futur, il a créé avec la dixième lettre de l'alphabet, le yod, Et le monde d'ici-bas, il a créé avec la cinquième lettre de l'alphabet, le he Oui, alors je voudrais préciser qu'il y a un texte magnifique dans la Bible qui dit Dieu a façonné les mondes avec les lettres Yod-Hé. Les lettres Yod-Hé sont deux lettres du nom divin qui se lisent en hébreu Yah et qui, d'ailleurs, sont. Un des noms divins les plus importants qui se trouve, chacun de nos téléspectateurs peut le comprendre, dans le mot ⁇ Alléluia ⁇ Alléluia est un mot composé qui veut dire louer Dieu. Il y a un tétragramme, un nom de quatre lettres, et il y a aussi l'abrégé du tétragramme, c'est le nom ⁇ Ya yeah ⁇ Et on dit que Dieu a créé le monde futur avec la première lettre et notre monde avec la seconde lettre. Tout à fait. Et il se livre à une analyse à partir de la lettre H hey en disant ⁇ Et hey ⁇ est elle-même composée de deux lettres, puisqu'elle est composée de la lettre Dalet, qui est le 4, et Yud, qui est elle-même le Yud, le 10. Et donc, il nous dit que le monde, d'ici bas, a une sorte de double dimension, une dimension d'expansion, puisque le Dalet, qui est le 4, renvoie aux quatre points cardinaux, une sorte d'extension, et le Yud, qui est une sorte de lettre de point, qui se renvoie à l'infini, qui renvoie à quelque chose qui est... Indécomposable, qui est une sorte de point absolu. Mmh. Et il dit une chose tout à fait extraordinaire. Il dit, les nations vont prendre à leur charge cette dimension de l'être du dalet. Donc, le lieu, la grande discussion qu'il va avoir entre Israël et les nations, et où est le lieu de l'absolu, où est le lieu de la vérité. On va voir une posture existentielle qui va dire, le lieu de l'absolu, le lieu de la vérité, c'est ce qui est palpable, visible, le monde ici-bas. Donc, ça veut dire politique, armée, argent, pouvoir, économique. Ça, c'est le, le dalet, qui est une sous-catégorie du hé. Hey". Donc le dalet, ça représente l'espace. Est-ce que c'est 4 points cardinaux 4 points point point cardinaux, puisque c'est la lettre qui a une valeur numérique 4. 4. Donc les nations, elles ont l'espace. Elles ont l'espace, et elles vont avoir aussi, bien entendu, de la spiritualité. Oui, Mais cette spiritualité va se rajouter à une assise, avant tout, il y a la patrie, le rapport à la terre, le rapport à la réalité, et sur ça, on va rajouter une cerise sur le gâteau en disant « il y a aussi un être spirituel ». Dans le judaïsme, c'est exactement le contraire. Vous savez, le premier Rashi dans le troubage dit, pourquoi la Torah n'a pas commencé avec la première misva? Drôle de question. Premier commandement. Premier commandement, qui est le roche Rodesh, qui est d'ailleurs le temps. Mmh. Et tout le monde pose la question, mais ça ne va pas, les Béréchites, il faudrait faire l'économie du premier livre de Genèse et d'une partie de, de, de Schmott. Mais il faut comprendre les arrière-pensées des Ramins, parce que ça paraît être une question bizarre, même absurde, que les Ramins disent, c'est pas la peine de nous raconter l'histoire de la création du monde, alors que c'est tellement important. Tout à fait. Alors ils disent, ils auraient dû commencer par la première loi donnée à Moïse. Ils disent, non, il y a une raison pour laquelle Dieu nous a raconté toute la préhistoire de l'humanité. Tout à fait. Mais il dit, bien sûr, la raison c'est que... En vérité, le peuple juif, le territoire du peuple juif, son habitat où il habite, c'est le Youth, c'est la spiritualité, c'est le monde des Mitzvot. Mais on nous dit, mais il faut aussi raconter comment le monde a été créé, toute l'histoire, toute la genèse du peuple juif, parce qu'à partir de cet habitat qui est absolument spirituel, il va falloir aussi investir, rentrer dans le monde. Donc c'est un renversement. Si vous préférez le monde naturel, c'est... Ce qui est évident, ce qui est premier, c'est le naturel, et on va rajouter du surnaturel, le spirituel, dans la Torah. Pour le peuple juif, c'est exactement le contraire. On commence par la transcendance. La transcendance qui est l'habitat, qui est les racines. C'est pour ça que le peuple d'Israël est éternel, parce qu'il n'est pas conditionné par une histoire historique, par une histoire qui est liée à la matière. Vous voulez dire que tous les peuples disparaissent Finalement. Les civilisations disparaissent. Les civilisations, les, comme euh, disait d'autres. Euh, sont mortelles. Les civilisations, Paul Valéry. Tout à fait. Nous nous sont mortelles. Nous savons que les civilisations sont mortelles. Or nous avons une civilisation qui ne meurt pas, qui ne meurt pas, c'est Israël parce que justement les racines métaphysiques de leur existence est dans le ciel, sont dans le ciel, sont dans le yud et pas dans le dalet. Alors il va avoir cette lutte, quelle est, euh, quelle est, qui, qui va l'emporter, qu'est-ce le, qu qui est le plus prégnant, qu'est-ce qui est le plus fondamental. Or le yud, quand on parle du yud, vous savez que âme Israël est comparé à la lune très souvent parce que ça. la lune est le reflet du soleil et Am Israël va être le reflet de la divinité, le reflet oui. de Dieu. Oui, il faut aussi expliquer que on insiste beaucoup là-dessus dans la cabale que la différence entre le soleil et la lune, c'est que le soleil donne de la lumière et que la lune reçoit la lumière. Or, Dieu, c'est le soleil et le peuple juif est placé sous le signe de la lune. C'est pourquoi notre calendrier est un calendrier lunisolaire, parce que le peuple juif reçoit toute sa lumière de Dieu. Tout à, fait. Tout à fait. Et donc, à partir de maintenant, il va avoir une sorte de distorsion. Puisque le peuple juif va être le dépositaire de la conscience de l'origine, de l'avant-monde, il va être aussi le dépositaire de l'espoir messianique. Et dans l'absolu, il faudrait que tout le monde vive en bonne intelligence, puisque les nations sont là pour apporter, comme. Isaac, l'a rêvé avec ses deux fils, Jacob et Esaü, en pensant que Jacob s'occuperait de Torah et Esaü s'occuperait de bâtir un monde dans lequel une politique, une vraie politique au sens noble du terme, où la Torah de Jacob pourrait resplendir dans une cité organisée par Esaü, mais il s'est passé un événement, une rupture où le dalet, le 4, l'espace s'est posé comme un absolu et a voulu Nier cette présence de l'origine et du futur qui est incarnée par Israël. Et dès qu'il y a de distorsion, il va y avoir donc une grosse guerre, une grosse guerre métaphysique, une discussion. À savoir que, comment on va expliquer l'histoire Et donc il va y avoir une tendance naturelle, incarnée par Marx, par Hobbes, par euh, Walter, Walter Benjamin, par toutes les penseurs pratiquement, qui vont à un moment donné poser euh, la logique interne de l'histoire, de l'économie ou du politique comme un absolu. Alors que pour la Torah, ce ne sont que des symptômes, pour la judaïsme, ce ne sont que des symptômes où l'origine, le, le sensé, l'horizon du sensé qui anime ouais. l'histoire de la politique sont d'ordre complètement spirituel. Ouais, et donc il dire... va y avoir oui. conflit. Vous voulez dire qu'il y a une interprétation historicisante qui consiste à dire voilà, l'histoire est en marche, il y a un train d'histoire qui marche, elle a ses propres forces, et ce sont ces forces qui font l'histoire. Le nazisme, le communisme, les grandes idéologies, ce sont elles qui font l'histoire. Vous dites que dans le judaïsme, on n'est pas tellement convaincu qu'il n'y a que ces forces qui produisent. Non, ça. Ça. Ces forces existent, mais elles sont complètement superficielles par rapport à l'intrigue, l'énigme, le pourquoi elles agissent. Vous savez quand euh, Lot a été kidnappé par les rois, euh, par, les quatre, par les quatre rois, et que Abraham a fait la guerre aux quatre rois mmh. pour récupérer Lot. Un journaliste aurait été à l'époque d'Abraham, il aurait expliqué la guerre entre Abraham et ses quatre rois en disant, voilà, le cousin était kidnappé. Ça, c'est la, 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 la vision superficielle. Ce qui était en jeu dans le kidnapping de Lot et le vrai, le fait qu'Abraham l'ait récupéré, c'était l'étincelle messianique puisque le messie vient de Lot puisqu'il vient de Ruth, euh, de Ruth à Moabit, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas visible au premier œil. C'est qu'il faut ouais. un regard initiatique, ouais. initié pour voir ça. Vous veut hein? dire qu'un journaliste, quand il voit un événement, il le voit de manière journalistique ou même historique, mais il ne comprend pas le sens profond de l'événement. Et donc il y a un conflit de regard, conflit de perception de la vérité. Vous savez que Jean Genet, qui était un grand antisémite, disait est un très grand poète, très grand dramaturge, très grand poète, mais un grand antisémite. Il disait Le juif est immonde. Or, quand on lui disait, mais pourquoi vous dites immonde, c'est quand même pas très sympathique. Il dit, non, non. Il faisait une sorte de pirouette. Il disait, quand je dis immonde, c'est pas péjoratif. Je dis qu'il est hors monde. Il est en dehors du monde. Il n'obéit pas aux règles du monde. Il est bizarre, ce juif. Mais il a tout à fait raison. Il avait raison sur ça. Le juif authentique, hein. Le juif authentique est un juif qui n'obéit pas aux logiques internes de l'histoire. C'est pour ça, d'ailleurs, que Tolstoy, Jean-Paul Sartre et d'autres se sont étonnés de la parennité du peuple juif. Il échappe absolument aux règles oui. socio-historiques de, de, de toutes les autres nations. Oui, il y a une chose très intéressante dans la Torah, c'est qu'à un moment, Dieu dit à Abraham, tes enfants seront comme les étoiles, regarde-le au ciel, tu verras que tes enfants seront comme des étoiles. Or, la Bible emploie un terme tout à fait rare, elle, dit, elle emploie le verbe regarder, dans le sens de regarder de haut en bas. En général, quand on regarde, c'est soit en face, d'accord en bas. Mais là, il y a un verbe spécial dans la Bible qui signifie regarder de haut en bas. Et Dieu dit à Abraham Regarde les étoiles, mais place-toi au-dessus des étoiles. Et par conséquent, les étoiles, c'est le temps les étoiles, c'est aussi l'astronomie, l'astrologie. Apparemment, le temps régit l'histoire humaine. Et Dieu dit à Abraham En tant que juif, tu n'es pas sous les étoiles. Tu es sur les étoiles, c'est-à-dire tu n'es pas déterminé par ce qu'on appelle le déterminisme astrologique. Tout à fait. Un, ar un arrachement à tous les déterministes, pas simplement astrologiques, ou surtout au déterminisme le plus prégnant, que le déterminisme de l'histoire. L'histoire façonne les peuples, façonne les consciences. Être juif, véritablement, tout le monde ne l'est pas. On n'est pas, ne pas simplement juif. Il faut le mériter d'être juif. Il faut travailler pour ouais. avoir ce, cette façon de, de regarder le monde. Vous Être avait... juif, c'est s'arracher. Ouais. C'est s'arracher à, à tout déterminisme. Il y avait un juif dans le chassidisme très connu qui s'appelait Rabbi Yaakov de Psichra, et on l'avait surnommé le Juif de Psichra. Et il disait, chaque matin je me réveille païen et je dois devenir juif. Du coup on l'a appelé de Psychra, le juif de Psichra, le Juif de Psychra. Et tout on ça. fait une bénédiction tous les matins qu'on est juif. Ah oui, C'est comme si on renaissait tous les matins comme juif. Et à un moment il va avoir une exception. Vous savez qu'on a dit, donc l'antisémitisme, la racine métaphysique de l'antisémitisme, ça va être cette distorsion entre l'être. Et l'apparaître, on va dire. La vérité de l'être, mmh. qui n'est pas visible, qui n'est pas palpable, et une apparaître qui va imposer sa propre logique, sa logique historique, sa logique sociologique, etc., etc. Il y a une distorsion. Quand le juif incarne l'être, la vérité, et que l'apparaître s'incarne sous des formes conceptuelles qui le contredisent, il va y avoir, ce juif nous ennuie, il est, il fait dérailler la logique externe de l'apparaître. À un moment donné, quand, là, où on, peut, où on fait tomber les bras de l'antisémitisme. C'est quand le juif est capable, dans une fulgurance de beauté, d'incarner, d'harmoniser l'être et l'apparaître en même moment. C'est ce qu'on appelle la capacité d'un acte beau. La beauté a cette faculté quand, quand quelqu'un, quand un grand rabbi, vous savez, est somptueusement habillé, quand il fait un geste de Shabbat ou d'autre qui est beau esthétiquement. Là, vous, vous vous remarquez un phénomène tout à fait curieux. Tous les antisémitismes, l'antisémitisme baisse les bras. Vous savez que quand Yaakov et, et Sav, qui sont un peu l'archétype du juif et des nations, se sont retrouvés après une longue absence, il y a eu un baiser où là ce baiser c'est en même temps des, une morsure et en même temps un baiser. Il y a une discussion, il y a des points quand vous lisez la Bible euh, oui. en hébreu, vous avez des points sur ce baiser, des points comme ça, des points, oui. des pointillés. La Bible dit il l'embrassa, mais elle met des points par dessus de telle sorte qu'on ne sait pas. Si c'est un baiser sincère ou pas. C'est la rencontre de d'Esaü et saint où tout s'est cassé. Israël où, et les nations. Israël et les nations, où, où l'amour est apparu et a brisé tout, la haine et l'antisémitisme, a volé en éclats. Ça. Et ça a été ça un a retour été... d'amour absolu. D'autres disent non, il a mordu le cou. Il y a eu carrément, au, au cœur même du baiser, il y a eu une, une morsure. En vérité, comme on sait, Elou, Elou, Divre, L'Okimchaïm, les oui. deux sont les paroles du Dieu vivant. Ces deux propositions sont en vérité les deux vraies. Il y a une sorte d'amour éperdu. Le peuple juif fait tomber l'antisémitisme quand il prend un petit peu conscience aussi qu'il travaille à l'actif de l'universel, qu'il ne faut pas tomber dans le sectarisme. Le, le, la vérité portée par le peuple juif est une vérité qui n'a de sens que si elle est là pour sauver le monde entier. Si quelqu'un euh, proclame une vérité que pour lui, ça n'a pas grand intérêt. Il faut savoir que quand un, 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 un homme. Est et un juif particulièrement fait exerce un commandement, une mitzvah, il sauve le monde. C'est que le Rambam dit qu'on doit toujours voir le, le Rambam, monde Maïmonite, on doit toujours voir le monde moitié méritant, euh, moitié coupable. Et on doit se voir nous-mêmes... Moitié méritant, moitié coupable. Ce qui fait que quand je fais une avéra, qu'est-ce que je fais Je détruis le monde. Je fais basculer le monde dans le ah, mal. C est, c est je fais bien. une mitzvah, ouais. je, je sauve le monde. C'est-à-dire que chaque mitzvah, chaque acte, je donne un petit un euro à un pauvre dans la rue, je sauve le monde. Ouais. Je, je dis un petit peu de médisance sur mon copain, je détruis le monde. C'est-à-dire qu'il faut vivre la mitzvah pas pour gagner son petit ouais. salut individuel, pour son petit paradis individuel. Ouais. En exerçant une mitzvah, je sauve le monde. J'arrache le monde à l'absurde. Je donne au, au monde un sens. Et quand je fais le contraire, Dieu préserve, ouais. je détruis le monde. c'est très Responsabilité pour l'universel, c'est aussi un des moyens de faire, de, de, de faire tomber la haine de l'antisémitisme. Belle conclusion, et je dirais, cher fils, que le ciel vous entende. Merci.